Eh ben, c'est un joli petit coin de paradis, avec encore une vache suicidaire sur le côté, mais en tout cas, c'est quand même pas mal. C'est parfait pour vous faire une petite flash news. Salut les amis, c'est Wolfegon et on se retrouve pour votre nouveau rendez-vous du lundi, les flash news de Wolfaction. Le programme de la semaine. Donc, pas de date précise, pas de jour précis pour une série précise, hein. Je préfère m'abstenir à ce niveau-là, puisque c'est la semaine de la rentrée, c'est le planning qui peut changer à tout moment, les devoirs en masse, parce que je peux vous dire que là, je suis complètement submergé par les devoirs. Mais j'essaie quand même de vous fournir du contenu, donc bah écoutez, je fais de mon mieux. Mais vous n'êtes pas à l'abri de voir un jour dans la semaine qui va sauter parce que je vais être trop occupé, donc je préfère vous prévenir. Voilà, donc pas de date précise pour une série précise cette semaine, par contre je peux vous préciser, toujours, les séries qui vont avoir leur place cette semaine dans la grille des programmes, pardon. Donc vous allez avoir les Chroniques du Néant, numéro 17, 18 et peut-être 19. En tout cas, attendez-vous à de gros bouleversements dans mes péripéties, dans mon aventure. Il va y avoir quand même pas mal de nouveautés. Vous aurez également le retour d'une ancienne série qui avait fait ce qui a eu son petit succès à l'époque, hein, qui s'appelle Wolf est dans le pré. On va pas pouvoir passer en 1.8 puisque vous le savez, depuis le 1.7, enfin depuis le passage en 1.8, les maps ne se génèrent plus de la même façon, donc je ne peux plus générer une map 1.7 avec la 1.8. Moi ça bug, je ne peux carrément pas. J'ai pas de bug de génération, il n'y a pas de gros fossés ou des trucs comme ça qu'on peut avoir voir dans certaines séries par exemple. Là, vous allez carrément avoir l'ancienne map, hein. Je ne peux pas générer en 1.8, donc j'en suis vraiment désolé. Mais vous allez quand même avoir la suite de Wolf est dans le pré, donc ça déjà c'est une bonne nouvelle. Youpi, je saute. Puis ensuite, alors je vais baisser un petit peu le son parce que là c'est un peu ballot. Voilà, 20% ce sera très très bien. Je suis en peaceful parce que je n'ai pas envie de me faire croquer. C'est quand même 15 fois de suite que. Ça fait quand même 15 fois de suite que je tourne la même chronique parce que j'arrête pas de bafouiller, donc écoutez. C'est trop d'émotion. Nouvelle série également à prévoir, c'est Minecraft Ecobiome, la saison 6, vu le succès de la série précédente. Écoutez, ça me donne encore plus de courage et de motivation pour vous faire une jolie maison dans un nouveau biome que je n'ai pas encore choisi. Donc ça va vous permettre de faire le plein d'idées déco une nouvelle fois. Je tiens par ailleurs à remercier Biloulette pour avoir mis des pouces verts et avoir mis en favori les 3 épisodes du week-end déco avec Biloulette. Donc c'était une super aventure. D'ailleurs, je tiens à préciser que les maps sont disponibles au téléchargement sur mon profil de chaîne, donc ne me demandez pas où est-ce qu'on peut télécharger, c'est disponible dans le profil, voilà. Donc bah écoutez, hein, pas de série en duo cette semaine, je tiens d'ailleurs à vous faire une petite précision, le Wolf et Yoda Show ne s'arrête pas, mais il est en suspens. Comme je vous l'ai dit, on est plutôt occupé en ce moment. Moi, c'est avec la fac et puis DJ Yoda également avec tout son travail et puis la fatigue qui s'accumule, donc c'est quand même. On a beaucoup de boulot chacun de notre côté et on n'a pas le temps de tourner. En plus, on a des problèmes techniques. La map a été générée en 1.8. Nous, on aimerait bien faire une aventure, enfin surtout moi, une aventure en 1.9, avec les niveaux, avec les enchantements et tout ça. Donc ce serait quand même pas mal de vous proposer ce contenu-là en 1.9.5. Mais ça veut dire qu'il va falloir laisser tomber la map, puisque on ne peut pas se servir d'une map 1.8 dans un monde 1.9, du moins pour notre part. Donc est-ce qu'on est poissard de ne pas pouvoir charger des maps d'anciennes versions dans de nouvelles versions? Bah écoutez, je commence à le croire. Mais en tout cas, voilà, c'est pas disponible pour l'instant, c'est pas possible. Donc on va changer de map, on va stopper nos activités du début de la saison 2 et on reprendra plus tard, mais on ne peut pas vous dire quand pour le moment. Par contre, je vais essayer de travailler sur d'autres séries en duo. Donc, le binôme est déjà choisi. J'ai hâte de tourner avec cette nouvelle personne. Pour l'instant, on n'a pas encore de possibilité de vous faire des épisodes à la suite. Donc, ça viendra. Mais pour l'instant, cette semaine, vous aurez les Chroniques du Néant, Wolf est dans le pré et Minecraft Ecobiome. Je pense que vous avez de quoi vous régaler avec 2 épisodes de chaque série pour la semaine, ce jusqu'à dimanche. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle Flash News, pour vous en dire un petit peu plus sur le contenu de ces nouvelles séries à venir. Donc voilà, bah écoutez, à tout bientôt. Je vais encore bafouiller, c'est pas possible. Non, je ne veux pas tourner une 16e fois cette Flash News. En tout cas, on se retrouve très très bientôt. Prenez soin de vous, bonne semaine et à tout plus. Ciao, ciao, ciao.